Il y a une semaine, j'ai eu écho d'une personne du parti animaliste d'une grande ville qui pensait que vraiment le dog dancing, c'était du cirque avec le chien. Le cirque, c'est donc de la maltraitance animale, on veut plus d'animaux dans les cirques. Et donc, cette personne était vraiment contre le dog dancing pour prôner le bien-être animal. Ça s'entend parce que le problème, c'est que très très peu de personnes sont au courant de ce que c'est le dog dancing, de ce que sont les méthodes positives et de ce que ça peut vraiment apporter aux chiens. Hier, il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a contacté parce qu'il a été voir un spectacle international de cirque et dans ce spectacle, il y avait une personne qui faisait un numéro avec beaucoup de chiens, peut-être 7, 8 chiens, de toute taille. Et il m'a dit être mal à l'aise, avoir été vraiment mal à l'aise face à ce numéro parce que il sentait qu'il y avait quelque chose de mal, même si la personne donnait des friandises. Alors je pense qu'il y a des points importants sur lesquels il faut revenir. Tous les numéros qui impliquent des animaux, même si la personne donne une friandise, ça ne veut pas dire qu'il y a du bien-être animal. Ça veut juste dire que sur le moment, pour essayer de garder un peu de motivation, la personne va donner une récompense alimentaire. Ça ne veut absolument pas dire non plus que le travail qui a été fait au préalable aura été uniquement en méthode positive. Dans Danse avec ton chien, on éduque les chiens et on les sollicite dans leurs apprentissages uniquement avec les méthodes positives. Qu'est-ce que c'est que les méthodes positives? C'est des méthodes qui sont assez novatrices en France, qui sont plutôt bien répandues dans les pays limitrophes, qui utilisent le renforcement positif, ajout de quelque chose d'agréable, et la punition négative, retrait de quelque chose d'agréable, et qui n'utilisent à aucun moment des moyens coercitifs avec des contraintes ou des choses désagréables. À partir de ce moment-là, c'est vous qui choisissez les méthodes d'apprentissage ou d'éducation que vous donnez à vos animaux, à vos enfants ou comment vous gérez votre entreprise. Vous pouvez utiliser les méthodes positives qui sont vraiment hyper efficaces, pas du tout permissives, mais juste qui vont utiliser l'ajout ou le retrait de quelque chose d'agréable, ou vous pouvez utiliser les méthodes dites traditionnelles ou coercitives, ce qui s'utilise à 99,9% en France, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans les entreprises ou avec les animaux. Il faut savoir qu'avec les méthodes positives, vous mettez le chien acteur de son propre apprentissage, de sa propre éducation. Vous lui permettez d'apprendre à mieux se gérer, à mieux gérer ses émotions et à participer pleinement à ses apprentissages. À aucun moment le chien n'est contraint. Au contraire, il est mis dans la réussite, il prend donc confiance en lui et cela permet de créer une merveilleuse relation entre l'animal et son humain. Or, le dog dancing avec Danse avec ton chien, effectivement, on peut arriver à des choses assez exceptionnelles avec les chiens, mais les chiens ont fini leur croissance, sont préparés physiquement, ont fait de la proprioception, du fitness canin, du gainage, bref, c'est des chiens qui sont très entraînés physiquement et qui ensuite sont aussi éduqués uniquement en méthode positive, ce qui permet du coup d'apprendre des tricks très rapidement. Et le chien a vraiment besoin d'une dépense mentale qui est aussi bénéfique qu'une dépense physique. Et ça, c'est quelque chose que très peu de personnes savent. Donc, quand vous faites de l'apprentissage avec votre chien, vous lui permettez de se dépenser psychologiquement et vraiment, vous lui permettez d'avoir un bien-être. Il y a vraiment des paliers à respecter dans les apprentissages. Les méthodes positives sont récompensées systématiquement pendant les périodes d'apprentissage. Et une fois que les tours sont appris, les récompenses viendront de manière aléatoire. Si le chien montre des signaux vraiment de mal-être ou que voilà, il a envie d'arrêter, à aucun moment, le fait de vouloir sortir de séance d'apprentissage, de spectacle, ne sera sanctionné. Bien au contraire, ça sera écouté et même encouragé. Encourager le chien à nous dire « stop, je n'en peux plus », c'est très important dans nos méthodes d'apprentissage. Je pense que c'est hyper important de comprendre que l'équipe de Danse avec ton chien a rééduqué beaucoup de chiens traumatisés par l'humain, qui avaient de l'hypersensibilité ou de la réactivité, que le dog dancing permet au chien de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, de reprendre confiance en l'humain et que ça peut vraiment être une méthode de rééducation très très performante avec des chiens voilà, qui ont des soucis. Et pour les chiens qui n'ont pas de soucis, ça peut juste permettre de créer une très très belle relation entre l'humain et son chien. Et ça permet aussi également à l'humain de se poser des questions sur le fonctionnement de son chien et à mieux le comprendre. C'est vraiment que du bénéfice. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui pensent que le dog dancing et les chiens de cirque, ce sont la même chose, qui pensent que faire du dog dancing avec son chien, c'est le maltraiter. Cracotte, tu veux dire un petit mot de la fin? Hein? Cracotte souhaite intervenir et dire au revoir tout le monde. Voilà, prenez soin de vous.